chaud pour faire une petite peinture pour aujourd'hui. C'est au rythme de la musique que s'est déroulée la 4e Trail Air Jam. Tout droit venue des États-Unis, la discipline est spectaculaire, mais manque encore un peu de visibilité. Pourtant, la version race du BMX est depuis peu devenue discipline olympique, un coup de projecteur qui ne peut pas faire de mal. C'est une journée démonstration ouverte à tous, donc en tant que rider et public. Il n'y a aucun enjeu, on est là surtout pour faire découvrir cette discipline et surtout montrer l'évolution des jeunes licenciés du BMX à leurs parents et leurs proches et également montrer un peu notre travail sur ce terrain. Une cinquantaine de riders avaient fait le déplacement avec trois catégories, les moins de 16, les pépères et les vénères. Mais ici, le résultat importe peu, seules les sensations comptent. C'est un moment où on se rassemble tous entre passionnés. Du coup, on partage tous notre passion. On a pris des figures toute l'année. Donc on fait ça, on donne le meilleur de nous-mêmes sur ce week-end. C'est l'adrénaline, quoi. L'adrénaline. Se lâcher. C'est l'ambiance aussi, l'ambiance. Les bonnes soirées entre copains, c'est sympa. Ouais, aussi. Ouais. Tutoyer les cimes et à jouer avec la pesanteur, les chutes ne sont jamais très loin et ça fait partie du jeu. La solidarité entre riders est aussi un point fort. C'est parce qu'il y a des gens qui sont plus forts que forcément on va pas les côtoyer ou quoi que ce soit. Oui, exactement, et puis c'est eux qui vont nous apprendre, quoi. Etc. Ouais, voilà. C'est donnant, donnant. On est tous un peu professeurs de notre prochain. Voilà, oh, c'est très mignon ça. Bien sûr, pour arriver à de tels niveaux, des années d'entraînement sont nécessaires et le port du casque est fortement conseillé.